quelques points. Ce qui est étonnant chez les hominidés, et à plus forte raison chez les humains, c'est que la sexualité, elle s'est dissociée des cycles hormonaux. En fait, si vous voulez, tout le système qu'on a vu tout à l'heure, le système neural qu'on voyait avec la lordose et tout ça, en fait, on s'en est progressivement éloigné. Et nos gènes, par exemple, de réception des phéromones se sont éteints. Alors, on a toujours ces zones derrière le nez, là, qui s'appellent les schwann, qui sont censées être capables de capter, comme le font les cerfs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cerfs qui font comme ça, et qui essaient de capter les phéromones les phéromones lointaines. Et bien, chez nous, il semble que ce soit un processus complètement éteint. Et à partir de là, on estime que les phéromones humaines n'existent plus, malgré une publication. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Dans les années 70, il y a une dame qui s'appelait Madame McClintock qui avait fait une publi dans Nature là-dessus en disant qu'elle avait montré l'existence de ces phéromones humaines. Et en fait, ça n'a jamais pu être redémontré depuis. Donc on estime que ces phéromones humaines, en fait, elles n'existent plus vraiment. On garde encore sous trace vestigiale des récepteurs de ça, mais on n'émet plus de phéromones. Le réflexe sexuel de lordose n'est quasi plus fonctionnel. Je dis quasi plus fonctionnel parce qu'il y a des gens qui disent que quand même dans certaines circonstances on voit des femmes qui se cambrent un peu plus. C'est tout sauf clair, donc on considère que ce n'est plus vraiment fonctionnel. Et puis le système de récompense, le circuit du système de récompense dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui est complètement fonctionnel, c'est celui qui est relié à la zone érogène, qui est le même complexe, c'est le même bourgeon au départ, mais qui se dissocie ensuite, quand il y a sexuation, si vous voulez, dans le processus de sexuation, ça devient soit un clitoris, soit un pénis. Il faut savoir que le clitoris et le pénis sont les deux évolutions du même bourgeon au départ. Hein. C'est exactement le même objet. Comme le clitoris est plus petit, ça lui donne une densité nerveuse beaucoup plus grande, ce qui fait qu'il semble que les sensations liées au clitoris soient plus fortes que celles du pénis. Vous pouvez vous en réjouir ou pas, hein. C'est comme ça, voilà. Et donc les sensations clitoridiennes et péniennes sont devenues plus importantes dans le processus. En fait, les activités sexuelles des hominidés ont changé progressivement. Et par innovation, quand je dis innovation, il y a aussi les comportements, je vous disais, puis en fait, nous, on a réussi à créer des systèmes de culture, on n'est pas les seuls, il y a des espèces qui ont développé des systèmes de culture ou de protoculture, avec parfois des accents dans les façons de parler, ou des façons de fonctionner avec de la nourriture. Par exemple, certains singes se mettent à laver de leurs patates avec du sel, avec de l'eau salée, et puis les autres se disent « Ah, putain, ça a l'air bon !» Et puis hop, et puis ça se transmet. Puis il y a des formes de culture qui se font parfois d'un côté du Nil, et puis pas de l'autre, si vous voulez. Donc on parle de naissance de culture. Nous, on a construit des systèmes culturels qui sont denses, comme vous pouvez le voir. On a construit des modèles politiques dans lesquels on vit, avec des systèmes de règles, etc. Et en fait, on s'est bien rendu assez vite compte que nos rapports sexuels, s'ils étaient limités à la copulation, ce serait quand même un peu tragique. Et malgré les injonctions de beaucoup de prêtres et beaucoup de représentants des religions bien installées, c'était tout à fait intéressant de stimuler ces zones érogènes sans pour autant viser la copulation. Et donc on a développé ce qu'on appelle l'érotisme et les comportements érotiques. Et c'est de là que sont nés des comportements culturels érotiques, qui sont très variés, parfois même étonnamment variés. Et ça, ce travail-là, on s'en est rendu compte progressivement, grâce à certains héros. Je vous ai mis quelques petites têtes un peu plus loin. J'appelle ça des héros au sens où héros, héroïnes, des gens qui ont un peu désobéi à une époque où c'était quand même pas très très bien vu de travailler sur ça. Des gens qui ont disséqué des organes, des gens qui ont regardé des coïts et des copulations d'humains et de non-humains sous loupe binoculaire, en filmant les gens, etc. Et je rends hommage d'ailleurs à Masters et Johnson, dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez suivi cette série qui est sortie sur leur sujet, Masters, Bill Masters et Virginia Johnson, une série qui s'appelle Masters of Sex, dont j'ai pris deux extraits que je vous montrerai tout à l'heure. Très bonne série, hein. Ben, voilà mes héros. Enfin, mes héros. Non, il y en a, ce sont de sombres connards pour certains, mais peu importe. Ce sont des gens qui ont désobéi et qui ont payé souvent assez cher dans leur carrière leurs engagements. Billings, peut-être vous connaissez ces deux-là, Billings, c'est eux qui ont développé, à titre anecdotique, je vous dis ça, la méthode qui consiste à essayer de calculer sa période de fécondité en vue d'une contraception, en vue d'une planification familiale, à partir de la glaire cervicale. Vous savez, en fonction de la texture de la glaire, on peut présumer de la période de fécondité. Bon, ça parle peut-être à quelques femmes parmi vous, mais ça devrait concerner aussi les mecs. Hein, c'est aussi ça qui, voilà.
Ceci dit, mec et nana, vous verrez que la catégorie est douteuse. Kinsey, lui, il est chouette parce qu'il a étudié les différentes formes de comportement. Il a essayé de faire des listes. Qu'est-ce que les femmes aiment bien en termes de comportement culturel érotique? Qu'est-ce que les hommes aiment bien, etc. Qui aime quoi, où, dans quel pays, et sur des grandes, grandes cohortes. Alors, c'est un peu daté quand on lit ça, mais vous avez des gros rapports qu'on appelle les rapports Kinsey, et qui sont des catalogues, en fait, des pratiques préférées des Américaines en 1960, des Français en 1980, etc. Et Masters et Johnson, que je vous ai mis ici, qui ont, en plus, même leur histoire, elle est assez typique d'un sexisme latent en science. C'est-à-dire que lui était médecin, elle, c'était son assistante, et beaucoup de gens lui en voulaient qu'elle fasse un travail aussi conséquent que... Vous savez, c'est un peu le même problème qu'avec Marie Curie, quoi. On l'a portée candidate au prix Nobel, beaucoup de mauvaises langues disaient qu'elle devait tout à son mari, qui s'était fait écraser par une charrette, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, et qu'elle devait tout à son mari, parce qu'une femme ne peut évidemment pas obtenir des résultats comme ça, c'est pas possible, il fait forcément qu'il y a un homme derrière. Tout le sexisme latent de la science du XXe siècle, du XIXe siècle, et c'était même parfois pire encore avant. C'est encore comme ça, hein. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, j'ai mis un extrait de Masters and Johnson, là ça c'est la série qui en est tirée, et je vous montre juste, dans l'épisode 3, il y a un passage où on voit Bill Masters qui est encore jeune dans l'histoire, quoi, puis qui dit « Mais moi j'ai envie d'étudier ça, je comprends pas, tout le monde n'est préoccupé que par ça, et personne n'a jamais regardé, n'a jamais étudié le sexe. » Et en face de lui, c'est le directeur de l'hôpital, et le directeur de l'hôpital lui dit « Mec, si tu fais ça, tu vas vraiment avoir des problèmes, en fait. » Et effectivement, il a eu des problèmes. Je vous laisse regarder. Sylvilagus floridanus, eastern cottontail. And the frisky one is Romeo, the buck. See the way he swats her with his paws? A courtship ritual. And if the doe is amenable, she offers herself by lifting up her tail like so. The buck mounting up behind. See, he grips her by the neck with his teeth so she can't escape. You know, I spent 2 months trying to coax the female into ovulation with no success. Turns out the female has no estrous cycle. She spontaneously ovulates when mounted by the male. I'll never look at Margaret's furs the same way again. Is he dead? Oh, sleeping it off. The male passes out at the moment of climax. The buck stops here. Gestation lasts a month. She can birth 4 to 6 kits. And be ready for another affair de coeur within 72 hours. That's very edifying. And simple, really. Well, for rabbits. It's more complex when you move up the evolutionary chain. If you're thinking of mating rhesus monkeys down here, you better clear it with Dean Gladstone. You know, humans have taken the basic impulse for sex and turn it into some unrecognizable ordeal. Romance, chivalry, codes of etiquette. Which necktie should I be wearing? Should I say goodnight at the curb or walk into the door? What if we could just cut through the maze to the essentials? What if we could understand the basic physiology underneath all that nonsense? Are things not going well with Caroline? Caroline went back to Tennessee. I haven't spoken to her in a month. I want to study humans. It's human sexuality. It's never been done. For good reason. When they asked George Mallory, why'd you climb Everest? Remember what he said? Mount Everest doesn't ejaculate, Bill. The real truth, Barton, is... I don't know anything about sex. And you don't either. But wouldn't you like to know? I mean, wouldn't everyone like to know some answers? Wouldn't we all be so much better off if we could shine a light into the darkness? The wedding... Masters of Sex, je vous recommande. Moi, j'ai regardé la première saison. Après, ça a faibli un petit peu, mais la première saison est absolument majeure. Et je remercie d'ailleurs quelqu'un qui m'a passé la série The Path. Je fais un lien avec un cours précédent. The Path, qui porte sur une dérive sectaire et son évolution. Alors, c'est assez lent. J'ai regardé ça un peu en accéléré. J'ai regardé la première saison en accéléré. Comme ça, toc, 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 toc. Et c'est plutôt pas mal fait, hein. Ça ressemble, pour certains points, à la scientologie. Bref, peu importe. Voilà, alors... Quelques points rapides que je voulais vous dire pour qu'on parle bien tous de la même chose. Chez les hominidés, alors je range dedans chimpanzés, bonobos, orang-outans, gorilles notamment, en raison de l'altération des principes, des processus olfactifs,
responsables de l'orientation sexuelle, se forment surtout des préférences sexuelles. Voyez, se forment des préférences sexuelles, c'est un mot qu'on va revoir. Chez l'être humain, l'objectif du comportement sexuel n'est plus le coït vaginal, mais la recherche des récompenses et des renforcements sexuels. C'est le principe que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'on appelle les plaisirs érotiques. C'est une grosse, grosse différence. La reproduction chez l'être humain est une conséquence indirecte et non une cause de la recherche du plaisir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette phrase, elle aurait choqué tout le monde pendant 2000 ans. Là. Rien que cette phrase-là, de se dire qu'en fait, le but ultime du plaisir de l'humain, il n'est que lui-même, quoi. Vous voyez ? Vous n'êtes pas contraint. Enfin, il reste encore quelques mouvements religieux qui disent que le plaisir ne doit être là que dans le but d'enfanter, quand même. Mais j'espère que vous êtes en mesure de passer outre maintenant, en 2017. Désobéissez, quoi. Pour ces raisons, le comportement sexuel humain n'est plus un comportement de reproduction, mais devenu un comportement érotique et culturel. Et ça, c'est vraiment poussé à l'extrême chez l'humain. On a développé des manières de tirer du plaisir de notre petit cerveau qui ferait rougir n'importe quel bonobo. Hein. Et des trucs vraiment étonnants qu'on a développés. Hein. Bon, je ne rentre pas dans le détail, il vous suffit d'aller sur un site pornographique et regarder tous les onglets, il y a des noms, je ne comprends même pas ce que ça veut dire des fois, et avec des spécialités, avec des gens qui tirent un plaisir très particulier avec des lunettes, ou avec des pieds, ou avec des A4, il y a des machins, avec des objets bizarres, bon, voilà, des trucs qui peuvent laisser perplexe, en tout cas qui montrent la variété du phénomène culturel que ça recouvre, quoi. Un point sur l'orgasme humain, bon, il y a quatre phases, vous savez qu'il y a quatre phases. Masters et Johnson, justement, ont caractérisé les quatre phases importantes qui se passent. Il y a la phase de, bon, vous savez, le début, après il y a le plateau, tout ça c'est facile à trouver, vous l'avez déjà étudié, je pense. Ce qui est étonnant de constater, c'est que l'éjaculation masculine de gamètes, l'éjaculation, schlaf, et schlaf, je fais un bruit bizarre, je sais pas pourquoi, schlaf, bon, est pratiquement toujours corrélée à un orgasme. Alors que l'ovulation chez les femmes, n'est pas corrélé à un orgasme. C'est bizarre quand même, c'est étonnant. C'est très étonnant. En fait, on pense que, en fait, d'un pur point de vue évolutif, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le plaisir a été très vite associé au fait de disséminer ses gamètes pour un mâle. Et donc ceux qui avaient du plaisir, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avaient du plaisir dans une zone érogène impliquée dans la copulation, avaient tendance à se reproduire plus parce que ça encourageait leur comportement reproducteur. Et comme ils ont beaucoup, beaucoup de gamètes, plus ils tiraient de plaisir, probablement plus ils avaient de gamètes, plus ils ont de plaisir. Et puis, donc, en fait, ça encourage un comportement chez les mâles de prolifération de leur gène. Alors que chez la femelle, c'est la rareté joue beaucoup parce que le gamète est rare. Lui, il est rare, il est gros, il est coûteux à fabriquer et il n'est pas fréquent. Et donc, c'est ce qu'on remarque dans beaucoup d'espèces, c'est-à-dire un gros conservatisme vis-à-vis de la copulation avec n'importe qui chez les femelles, et puis un peu du grand n'importe quoi chez les mâles, si vous voulez. Et ce n'est pas pour autant que c'est bien hein, ou c'est mal, si vous voulez, ce n'est pas ça le problème, c'est que c'est comme ça, quoi. C'est que l'évolution a avantagé cette prise de plaisir-là chez les mâles et les a encouragés à avoir un comportement complètement volage pour beaucoup, beaucoup d'espèces. C'est un trait quasiment immanquable de quasiment toutes les espèces, quoi. Et chez les femelles, comme le gamète est rare, le choix est plus drastique à faire. Donc la sélection, on dit souvent que la sélection sexuelle, c'est le fait des femelles. C'est elles qui vont décider avec qui elles acceptent de se reproduire ou pas. Et si elles refusent, elles s'en vont, quoi. Elles se fâchent, elles griffent, elles mordent, elles tapent le mâle, elles le virent, à coup de tête parfois même, dans certaines espèces. Alors que le mâle, lui, il essaye tout ce qu'il peut, tout ce qui passe, quoi. C'est assez navrant quand on regarde les comportements des mâles mammifères parfois. Controverse non tranchée encore, quel est le rôle de l'orgasme chez les femmes ? Vu qu'il n'est pas associé à un comportement de reproduction et tout, voyez, il y a eu plein d'hypothèses là-dessus. Est-ce que le fait d'avoir un orgasme faisait que la femme essoufflée reste allongée ? Donc le fait d'être allongée, effectivement, ça évite que le sperme redescende et donc ça améliore la fécondation. Bon, cette hypothèse a été abandonnée. Il y en a eu 7 ou 8 comme ça. Et en fait, maintenant, il semble qu'il y ait à peu près consensus là-dessus. Il semble que ce soit une exaptation. Quand on dit une exaptation, vous savez, c'est quand quelque chose
s'avère être fonctionnel ou intéressant pour une espèce, pour un individu d'une espèce, mais que c'est pas pour ça que ça avait été fait, si vous voulez, entre guillemets, que c'est pas pour ça que c'est arrivé, quoi. Je pensais par exemple aux plumes des oiseaux. Maintenant, on sait que les plumes, l'innovation des plumes, ont été intéressantes pour un certain nombre d'espèces en termes de thermorégulation. Et le vol n'est venu qu'après, en fait. C'est juste un jour. Enfin, ceux qui avaient ce système de thermorégulation, ils pouvaient se thermoréguler beaucoup, beaucoup plus facilement et donc étaient plus avantagés dans la vie, etc. Mais en fait, un jour, il y en a un qui a dû secouer les ailes, puis il s'est soulevé, puis il a fait, c'est cool, puis il a recommencé, puis après, les autres ont fait pareil. Et puis, voilà, mais les plumes ne sont pas nées du fait que le vol était pratique, si vous voulez. Le vol est venu après, on appelle ça une exaptation. Eh bien, il semble que ce soit la nécessité intrinsèque. Vous savez, en fait, la nature, elle fonctionne de manière assez économique. Et donc, quand elle fabrique quelque chose, quand elle encourage à une certaine... Il faut que je fasse attention à mes mots, parce que la nature ne fabrique rien. Hein. Mais les processus naturels qui amènent à certaines physiologies, elle fait ça de manière assez le moins coûteux possible, quoi. Et donc, sachant qu'un individu peut se transformer en femelle ou mâle dans le typage sexuel lors de la fécondation, eh ben, en fait, le mieux, c'est de partir d'une matrice commune. Il semble que de la même façon, c'est pour ça que je vous ai mis ici, que les tétins chez les hommes, qui ne servent à rien, soient une sorte d'écho des mamelles des femelles, si vous voulez, ils ne servent à rien, mais il serait trop coûteux pour les processus de faire deux individus différenciés dont un n'aurait pas de tétons, quoi. Donc je dis tétins, c'est les tétons des hommes, hein. Donc les tétins des hommes ne servent à rien à part à se caresser, si ça vous fait plaisir, mais en soi, ils n'ont pas de fonction, quoi, voyez. Ils sont là que parce qu'il y en a une forte fonction chez la femme, voyez. Et ben, il semble que l'orgasme soit un truc qui a, parce que les mâles en avaient besoin, les femelles s'en retrouvent dotées. Et en plus, s'en retrouvent dotées plutôt de manière assez poussée, parce que non seulement la densité nerveuse fait que le plaisir semble être plus grand, et en plus, il est possible de le répéter plusieurs fois d'affilée, ce que très peu d'hommes sont capables de vivre, à mon grand regret. Voilà. Bah oui. Enfin, je connais pas beaucoup d'hommes qui arrivent à enchaîner des orgasmes comme ça à la queue leu-leu. Les femmes ont une machine à orgasme, c'est ça qui est inouï. En plus, vous allez voir le sexisme latent qu'il y avait même en médecine, mais même encore jusqu'à il y a très peu de temps. Il y a une nana qui va vous le dire tout à l'heure dans un document que je vous ai apporté. La description du clitoris, elle est complètement passée à la trappe à partir du moment où on a compris qu'il n'y avait pas de lien avec la reproduction, quoi. Et les hommes ont toujours vu ça d'un œil vraiment trouble. On se dit, oulala, mais pourquoi il n'y a... Et donc, cet orgasme ne sert à rien d'autre qu'au plaisir. Ouh, c'est douteux, ça, quand même. On va essayer d'éviter d'en parler, quoi. Histoire de ne pas encourager les femmes à s'en servir. Et vous retrouverez, d'ailleurs, moi, j'ai vécu dans un pays, en Guinée-Conakry, où il y avait ces discours-là. Hein. On nous disait, il faut exciser les jeunes filles parce que c'est le seul moyen d'éviter qu'elles soient volages. Enlevons-leur leur clitoris, car c'est vraiment ce qui va les envoyer vers la décadence, la prostitution et les comportements de femmes blanches. C'est ça, le discours que j'entendais, quoi. Et malheureusement, ça continue encore. Hein. Il n'y a pas qu'en Guinée, hein, d'ailleurs. Alors, je vous disais ici, ce que je voulais aborder ici, c'était ça, cette question du sexisme. Hein. Description partielle des génitalia, c'est-à-dire des parties génitales. Autant le pénis d'un humain homme a été découpé en long, large, en travers et décrit depuis des années, des années, des années, et les bouquins de physiologie en regorgent. Et pour la question du clitoris et de sa structure complète, qui est plutôt plus compliquée que ce qu'on pensait, ça fait même pas 15 ans qu'on bosse là-dessus, 20 ans qu'on bosse là-dessus. Et qu'on comprend que le clitoris, ce n'est pas que le petit bouton un peu tout fripé là, qui est comme ça, mais c'est un ensemble avec des glandes vestibulaires autour qui recouvrent une grande partie qui entoure un peu le vagin. Enfin, c'est hyper vaste comme organe. C'est tout à fait stimulant. Et je vous ai parlé d'un effet cigogne ici. J'ai mis effet cigogne. Pour ceux qui ne se rappellent pas, un effet cigogne, c'est quand on confond une corrélation et une causalité. Tant qu'on a cru au rôle de l'orgasme féminin dans la procréation, ce que pensaient beaucoup d'anciens, notamment les anciens Grecs, eh ben, tout le monde était pour son utilisation, pour la stimulation du plaisir chez les femmes, parce qu'on pensait que ça avait un lien, comme chez les lapins, quoi. On pensait que ça avait un intérêt. Quand on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, ah, stop, terminé. Et vu que la science a été faite en immense majorité par des hommes, eh ben voilà, vous avez un cas de sexisme clair. Il y a un documentaire assez génial qui est fait là-dessus, qui s'appelle « Le clitoris, ce cher inconnu », qui porte pendant 1 heure et quart sur la question du clitoris. Je vous extrais ce morceau-là.
En 1559, un anatomiste italien, Rinaldo Colombo, est le premier à étudier le clitoris. Il décrit sa découverte avec passion. Un organe si joli et tellement utile. Amor veneris. À la même époque, son maître, le célèbre anatomiste Vesalius, décrit les organes reproducteurs des femmes. Vesalius est resté dans l'histoire et le travail de Colombo a totalement disparu. 100 ans plus tard, l'anatomiste hollandais René de Graaf a cru être le premier à se pencher sur la question. Il souligne l'importance de l'organe, convaincu que sans les plaisirs du clitoris, aucune femme n'accepterait de faire des enfants. Et pourtant, pendant 200 ans, le clitoris retombe dans l'oubli. En 1844, l'Allemand Georges Cobbett le déflore enfin en publiant une série d'excellents dessins. Désormais, la médecine ne peut plus l'ignorer. D'ailleurs, des illustrations plus ou moins fantaisistes commencent à apparaître dans les livres d'anatomie. En 1900, le clitoris figure bien dans la Bible des chirurgiens, la Grace Anatomy. Mais dans l'édition de 1948, il a de nouveau disparu. Ce livre est mon fidèle manuel d'anatomie, dans lequel j'ai étudié pendant des années au milieu et à la fin des années 1980. Il a probablement exercé une grande influence en m'incitant à travailler en priorité dans ce domaine. Car de fait, on n'y trouvait pas la moindre description du clitoris lui-même, alors qu'il comportait tout un chapitre sur le mécanisme de l'érection, avec des informations sur l'anatomie neurologique et l'alimentation vasculaire du pénis, sans jamais mentionner le clitoris. J'ai pensé, ce n'est pas vraiment normal. Le docteur O'Connell a montré que le clitoris est bien plus grand qu'on ne l'avait imaginé. Il mesure en moyenne près de 8 cm et constitue un organe plus complexe qu'on ne le pense. C'est moi qui ai coupé, hein. La science n'a jamais été à l'aise avec le clitoris. Selon elle, il échappe à toute logique théorique. Après tout, la finalité biologique du sexe n'est que la reproduction. L'amour, c'est seulement pour faire des enfants. Qu'en penses-tu, ma chérie ? Cette théorie ne me satisfait pas vraiment. Pourtant, le clitoris n'a pas toujours été ignoré. Quand les savants pensaient qu'il œuvrait à la bonne fertilité des femmes, il lui prêtait toutes les vertus. Le père de la médecine, Hippocrate, croyait que les femmes aussi avaient du sperme et qu'elles devaient avoir un orgasme pour en produire. Pour faire des enfants, il faudra donc qu'elle éprouve du plaisir. Oui, c'est recommandé. Et comment peut-on faire ? Essayez donc le clitoris. Le clitoris. Allons essayer. Cette théorie a eu une longue et belle vie. Ainsi, au Moyen-Âge, malgré la profonde méfiance de l'Église pour tout ce qui touchait au plaisir, les médecins proposaient des traitements inattendus. Enduire le doigt d'huile parfumée et frotter la vulve d'un mouvement circulaire. Si l'on en croit les auteurs de l'époque, Boccaccio et Chaucer, l'appétit des femmes pour le sexe était bien supérieur à celui des hommes. De Rome à Londres, les hommes étaient logiques et les femmes lubriques. La science, c'est passionnant. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. En 1875, Van Beneden dévoile les véritables mécanismes de la reproduction. Exit le clitoris. Je déclare le clitoris inutile à la reproduction. Nous ne devrions peut-être plus faire l'amour. Oh, crois-tu ? Voyons, chérie, nous avons déjà 3 enfants. Oui, eh bien ? Eh bien, il faut savoir être raisonnable. Quelques années plus tard, Freud propose une nouvelle théorie. Il admet l'importance de l'orgasme, mais déclare l'orgasme clitoridien infantile. Une vraie femme doit pouvoir transférer ses orgasmes du clitoris vers le vagin. Et si je n'y réussis pas ? Alors vous êtes immature, sexuellement handicapée. Oh mon Dieu, j'ai peut-être besoin d'une thérapie. Quel jour vous convient-il ? Il est tentant de croire que le clitoris a été victime d'une certaine discrimination et que la morale est souvent venue troubler l'objectivité des savants. Dans la tradition chrétienne, les plaisirs de la chair sentent le soufre et les femmes y sont particulièrement disposées.
la nature a déposé une bête dans leurs parties intimes, un organe que les hommes ne possèdent pas, observe Rabelais, auteur et médecin de la Renaissance. À l'époque des chasses aux sorcières, un grand clitoris était souvent pris pour la marque du diable. Mais la science a enfin balayé bêtes et démons pour les remplacer par maladies et déviances. Au XIXe siècle, le lesbianisme et la nymphomanie sont considérés comme des maladies. Quant à la masturbation, elle provoque la jaunisse, la cécité, voire même une mort prématurée. Les médecins sont persuadés que l'excitation sexuelle détruit l'équilibre mental des femmes. Soucieux de trouver une origine à ces maux, ils jettent le blâme sur le clitoris. En 1865, le président de la British Medical Society, le docteur Baker Brown, soupçonne le clitoris d'être responsable de l'hystérie, de l'épilepsie et d'autres formes de folie. Le traitement qu'il préconise est redoutablement efficace. Ma chère enfant, il est nécessaire de te retirer ton clitoris pour soulager ta nervosité. Qu'en pensez-vous, madame ? Je m'en remets entièrement à vous, docteur. Vous faites bien, madame. La folie est une chose terrible. Les pratiques de Baker Brown furent contestées par ses pairs et le bon docteur fut sommé de démissionner. Malheureusement, ces méthodes ne disparurent pas pour autant et des centaines de femmes furent ainsi mutilées jusque dans les années 20. J'ai lu son traité à Baker Brown et c'est vraiment glauque. Hein. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a eu pas mal de courants hygiénistes comme ça. Et peut-être qu'il y en a un parmi les hygiénistes que vous connaissez parce que outre le fait d'avoir condamné l'onanisme, ce qu'on appelle le péché d'onan, c'est-à-dire la masturbation et pas mal de choses un peu dans le même genre, il a aussi créé des petites céréales grillées qui s'appellent les Kellogg's Corn Flakes, que vous avez peut-être déjà mangé. Et donc les frères Kellogg, enfin W.H. Kellogg, étaient un grand partisan de ce genre de théorie hygiéniste. Le complexe clitoridien, voilà à quoi ça ressemble maintenant, avec les données de maintenant. On aurait pu le savoir depuis bien plus longtemps s'il n'y avait pas que des mecs qui s'y étaient penchés avec un regard plutôt chrétien sur le sujet, quoi. Et c'est quelque chose de vaste, de développé, de grand. Je vous encourage à l'investigation personnelle pour ceux qui en ont un et pour ceux qui n'en ont pas, d'aller demander à ceux qui en ont un de leur montrer. Démerdez-vous. On est en science, quoi. J'en profite pour vous dire, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais que la pénétration par un pénis n'est pas une garantie d'orgasme, loin de là. C'est même presque une mauvaise manière, c'est presque une des plus mauvaises manières d'obtenir un orgasme. Donc si vous voulez tirer du plaisir de vos génitalia féminines, si vous avez des parties génitales féminines, et ben sachez que vous avez le droit de vous toucher en même temps qu'une pénétration pénienne, si vous souhaitez une pénétration pénienne, si vous voulez. Mais généralement, si on ne se touche pas, ou si on ne se place pas, notamment dans ce qu'on appelle la... Je peux faire un cours de Kama Sutra, quoi, mais ce qu'on appelle la position d'Andromaque, vous chercherez. La position d'Andromaque est celle qui est privilégiée par les nanas qui cherchent à un plaisir plus grand. Voilà. Et une pénétration simple. Soyez pas choqués si un jour, en ayant une pénétration avec quelqu'un qui est doté d'un pénis, vous n'obteniez pas un orgasme, c'est plutôt pas le meilleur moyen. Et surtout, notez bien que le pénis rentre dans un vagin qui est assez peu innervé pour des raisons évolutives assez évidentes. C'est-à-dire que si le vagin avait été fortement innervé, les nanas mourraient en couche, quoi. Tellement ce serait douloureux. Donc le vagin est très peu innervé. Par contre, ce qui est sensible, c'est ça. C'est les grands vestibules qui sont à côté. Et eux, ils sont assez sensibles. Donc il faut stimuler le complexe. Bref, débrouillez-vous. Vous trouverez bien. En tout cas, l'héritage freudien là-dessus, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais l'héritage freudien, de manière générale, est désuet et invalidé dans quasiment tous les pays, sauf ici en L1 et L2 de psycho, on ne sait pas trop pourquoi. Et notamment, la question de l'orgasme clitoridien infantile et vaginal, c'est du pipeau complet. Et dans Masters of Sex, à ma grande surprise, l'épisode 7 de la saison 1 porte entièrement sur ce sujet. Je vous ai mis un petit morceau. On voit la fille de Freud qui va faire une présentation, et il y a Masters et Johnson qui sont là, et Johnson qui pose une question. Cet événement semble avoir été réel. C'est réellement produit. Voilà. Je l'ai perdu. Ah bah alors attendez. Je vais rentrer dans mes petites archives. Je vais ici dans mes petites vidéos. Mes petites vidéos ici qui sont là. Il y a celles que j'ai choisies parmi plein que j'ai enlevées. Et voici le petit montage que j'en ai tiré de l'épisode 6. S'il veut bien se lancer. Clitoral orgasm is a purely adolescent phenomenon. The proper response of mature women upon reaching puberty is a natural transfer
of pleasurable feelings from the clitoris to the vagina during sexual intercourse. An inability to achieve orgasm through intercourse is an indication of an arrested development in a female whose sexual frigidity requires psychiatric treatment. My father revolutionized modern thinking with his views on female sexuality. But at the end of his life, he admitted his understanding of the female psyche was limited. If you want to know more about the nature of femininity, he said, you will have to consult the poets, which I'm sure makes all you doctors sitting here today very nervous. I will now take questions. Yes, Dr. Freud, Virginia Johnson, Washington University. It's a great honor to hear you speak in person. Doctor, your father's theory that the female orgasm achieved by masturbation is immature compared to one achieved through sexual intercourse, has that ever been scientifically proven? I'm not sure I understand what you're asking. Has there ever been any scientific evidence to substantiate this theory? Any physiological data that differentiates between the two types of orgasms? Well, I for one can't imagine how procuring such data would be possible, let alone decent. Yes. So according to Freud, there are two types of orgasms, immature and mature. Have janitorial give the place the once over. There's dust in here from the Truman administration. So he's saying that one orgasm is better than the other. As I understand it, he's saying when a woman reaches puberty, there's a transfer of sexual response from the clitoris to the vagina. The external, or clitoral, orgasm is the province of adolescent girls. Mature women experience sexual response intravaginally with their husbands. So otherwise, they're frigid. Who would believe something like that? My patients. That's why we keep the exam room stocked with Kleenex. A quarter of the women who walk through my door tell me they're frigid. Well, maybe that's because their husbands can't get the job done. Does he ever address the man's role in any of this? Honestly, all of Freud's theories have their limits. I stopped reading him after my college paper on the Oedipus complex. Vous noterez que, enfin, si vous avez vu cette série, vous aurez noté que le rapport entre Masters et Johnson était quand même relativement sexiste aussi, hein, il faut bien l'admettre. Hein.